Assemblée de Tucson, 12 décembre 1965. Frère Branham préside son dernier service, dernière apparition publique, dernier message. Au cours de cette prédication d'au revoir, intitulée La Communion, Frère Branham lâche quelques mots étranges. N'êtes-vous pas heureux que Christ a les clés pour ouvrir la porte appelée mort? Il guidera mon passage sur la rivière. Un jour, je dois arriver à cette porte. Je serai enveloppé dans des robes de droiture. Il m'appellera d'entre les morts. Il a promis et je le crois. Une phrase que la congrégation ne comprendra sa portée qu'une semaine plus tard. Cette réunion de la communion a eu lieu ici, dans cet ancien temple juif. Pour le frère Lonnie Jenkins, ces lieux revêtent un caractère significatif car le prophète de Dieu l'a choisi pour prendre son dernier repas. Only a few days before his departure from this dimension, Brother Branham preached his final service, communion. Quelques jours avant de quitter cette dimension, Frère Branham a présidé son dernier service de la communion le 12 décembre 1965 à Tucson Tabernacle. Le bâtiment était auparavant la première synagogue juive à Arizona, appelée Stone Avenue ou le Temple Emmanuel. Cela a abrité le centre d'héritage juif du sud-ouest. Both Jesus and Brother Branham preached their last public sermons in Jewish temples, closing out. Tous deux, Jésus et le frère Branham, ont prêché leur dernier sermon en public dans un temple juif. Jésus mettait fin à l'ère juive pour que l'évangile soit transféré aux gentils, et le ministère des frères Branham était de restaurer le cœur des enfants des gentils à la foi originale apostolique. Bientôt la parole quittera les gentils pour retourner aux juifs. Fathers, soon the gospel light will shift from the Gentiles and return to the Jews. Ses frères, un autre témoin, lui aussi assisté à ses derniers services d'adieu. L'un des derniers services que Frère Branham a tenu, c'était juste avant qu'il ne quitte Tucson pour rentrer à Jeffersonville avec toute sa famille. Au cours de ces services particuliers, il y avait beaucoup de gens qui ont pris part à la Sainte Cène. Frère Branham avait eu la communion ici quelques jours avant qu'il ne parte le 18 décembre 1965. Nous savons ce soir-là, quand Frère Branham a quitté, l'accident s'est produit au Texas et le 24 décembre, Frère Branham est décédé. Cela faisait probablement 3 ans depuis que le prophète Branham avait déménagé de sa maison de Jeffersonville pour venir s'installer ici à Tucson sous une recommandation divine. Pierre Green, c'est lui le responsable de cette église où William Branham a prêché son dernier sermon. Et le secret was is that I found the building without Brother Branham telling me. Now, he said that the other brothers, the reason they wouldn't start one is because they would find the building and they'd come and say, Brother Branham, is this where we're supposed to be? Well, he had told the pastors in this city he wouldn't start a church. That's the reason on the tapes from Shreveport, he says, I didn't start the church in Tucson. Brother Green did. But Brother Branham had to do that to keep his word to the pastors in this city. But you see, if you want to be negative about it, you can say, but Brother Green said that, Brother Branham said that wasn't his church. He didn't start that church. It's just according to your mental attitude about it. But I took it because Brother Branham told me I'm following the leadership of the Holy Ghost. And I'm going to tell you this, anytime you do what the Spirit of God tells you to do, there's going to be opposition to it.
Nous sommes le 18 décembre 1965. Frère Branham et sa famille embarquent pour un long voyage vers Jeffersonville, où ils comptent passer leurs vacances de Noël. Frère Branham conduisait cette Ford Station Wagon. À l'intérieur, son épouse Meda et deux enfants, Sarah et Joseph. Tandis que Billy Paul, lui, était à bord de cette Chevrolet avec sa femme et ses deux garçons. 6 heures pile, départ de Tucson, direction Jeffersonville, Indiana. Un long voyage dont ils n'arriveront jamais à destination. Première escale, Benson, puis Alamogordo, cette ville américaine siège du comté d'Otero, dans l'état du Nouveau-Mexique. C'est ici qu'ils prennent leur déjeuner, mais le trajet est encore long. Avant les tombées de la nuit, ils atteignent Clovis, toujours dans l'état du Nouveau-Mexique. Cette escale est importante, car elle sera la dernière avant le destin fatal. Pendant que toute la famille est à table pour le souper dans ces petits endroits du restaurant Denis à Clovis, Frère Branham, lui, reste dans la voiture avant de décider finalement de rejoindre la famille à la dernière minute. Et cette fois-là, il y prendra juste qu'un petit plat, très léger, et ce sera les derniers repas de Frère Branham. Au sorti du resto, Frère Branham ordonne à son fils cadet Joseph de monter dans la voiture de Billy Paul. William Branham et sa famille quittent Clovis et reprennent leur chemin. Il est 19h, la nuit vient de tomber sur Texas. Le convoi de Frère Branham est à environ à 128 km de la ville d'Amarillo. Billy Paul devant et Frère Branham derrière. Quand tout à coup Billy aperçut une voiture avec juste un seul phare allumé, donnant l'impression d'une motocyclette qui venait devant lui, roulant à contresens. À peine qu'il esquive de justesse, subitement un grand fracas. C'est la collision, l'inévitable est arrivé. Une vieille Chevrolet modèle 1961, conduite par un jeune garçon ivre d'environ 17 ans, vient de percuter la voiture du prophète. L'accident est grave. Frère Branham se retrouve entre la vie et la mort, sa tête qui passe au travers du pare-brise, son bras gauche et son coude coincés dans la portière et sa jambe enroulée autour de l'arche du volant. Meda de son côté se retrouve sous les tableaux de bord, à droite de la voiture, presque morte. Je sais qu'il a bougé sa main droite et l'a posée sur elle. Et il a dit, « Seigneur, ne laisse pas maman mourir. Sois avec nous en ces terres. » Et la sœur Branham revient à la vie. Donc Frère Branham, le bras et le pied de Frère Branham étaient entrés dans le volant. Mais Meda était morte sur place. Alors quand Billy Paul est venu, il a dit à papa, « Papa, mamie est partie. » Alors Frère Branham a dit à Billy Paul, « Prends sa main, mets ça dans ma main. » Billy Paul a fait tout, toutes ses manœuvres là jusqu'à mettre la main de Meda dans la main de Frère Branham. Et Frère Branham a prié et dit, « Seigneur, garde maman avec nous, notre Seigneur Jésus. » Amen. Et on a ramené Meda à l'hôpital. Pendant ce temps, Joseph, qui était enfermé dans la voiture, cria fortement. Et Frère Branham, au milieu de la détresse, releva la tête. Alors qu'au ciel, un signe s'est produit.
approuva qu'un événement important vienne se produire dans le monde. Sur le lieu, l'ambulance évacue les autres accidentés, mais Frère Branham lui reste encastré dans ses véhicules. Il a fallu 45 minutes pour réussir à dégager William Branham de cette ferraille. Une fois fait, on l'a transporté d'urgence dans la salle des soins intensifs de l'hôpital de Frayona. Vu la gravité de son état, il fut transféré à l'hôpital d'Amarillo, situé à 15 km d'ici. Il passera près d'une semaine dans cet hôpital où les médecins ont tout fait pour essayer de sauver sa vie. Pendant ces moments sombres, les chrétiens se sont réunis à travers le monde pour intercéder et prier pour Frère Branham, alors que beaucoup d'autres ont fait les déplacements. Réunis dans la salle d'attente de l'unité des soins intensifs, des frères et sœurs priaient et chantaient des cantiques que les prophètes aimaient trop dans sa vie. Just brought Brother Branham out of the operating room. They've got Brother Branham in traction, his arm and his leg, and they've done a tracheotomy on him. And they tell me they've not get him to respond. He hadn't done anything. Je marchais jusque là et j'ai commencé à parler à Frère Branham et je lui ai demandé de dire un mot. Il n'a rien répondu, rien du tout. J'ai fondu en larmes et j'ai commencé à chanter. Sur les ailes d'une colombe blanche, Dieu envoya son amour. Et Frère Branham a ouvert les yeux et il sourit. Tout le monde était excité, disant, il s'est réveillé, il s'est réveillé, il réagit. Quand je finis de chanter, et j'ai dit à Frère Branham, à propos de ce que j'ai vu sur la ligne, le Frère Branham essaya de s'asseoir dans le lit et il cria quelque chose. Je ne savais pas ce qu'il essayait de dire. Nous sommes au soir du vendredi 24 décembre. Le moment est triste. Un docteur radiologue cherche à voir Billy Paul. Et pendant que celui-ci venait accompagné des frères Green, ils ont aperçu à travers la vitre que les infirmières avaient tiré les rideaux du lit des frères Branham. Les deux comprirent que c'était fini. Dieu venait de retirer son prophète de la terre. Les docteurs informa Billy Paul que son père avait rendu l'âme depuis 16h49. Et c'est Pierre Green qui alla informer, frère réuni dehors, la triste nouvelle. Le soleil venait à peine de se coucher dans le ciel de l'ouest et un signe extraordinaire s'est produit. L'étoile du soir, la lune et le soleil brillaient presque de la même façon. Les trois corps célestes étaient si près l'un de l'autre. Il est né sous un signe et il meurt sous les signes. Billy, effondré, s'est souvenu d'une parole de son père qui disait « Si vous entendez que je suis parti, arrêtez-vous un instant et chantez une strophe de la chanson « Crois seulement ». Des pensées, des souvenirs traversaient les esprits. Le prophète est parti, que restait-il encore pour le monde ?
si ce n'est les jugements. Le corps de William Marion Branham fut transporté à Jeffersonville et le mercredi 29 décembre 1965, ce fut le jour des obsèques. Les gens sont venus de partout pleurer le prophète de Dieu qui venait d'être repris auprès des siens. Ce jour-là, l'évangéliste Tommy Osborne, présent aux obsèques, a rendu un vibrant hommage à William Branham. Gordon Lindsay brought Brother Branham to Portland, Oregon. This man, este homem, I'll never forget his prayer. Eu nunca vou esquecer da oração que ele fez. Just quiet, ele era calmo, but firm, mas firme. Said, "Thou dumb and deaf spirit." Ele disse, espírito surdo e mudo. I adjure thee by the name of Jesus Christ of Nazareth. Eu te repreendo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Leave the child. Saia dessa criança. And enter her no more. E não entre nela nunca mais. Silence. Silêncio. And you know what he did? E sabe o que, que ele fez? I was shocked. Eu fiquei chocado. He said, audience. Ele disse, audiência. You can lift your heads now. Você pode levantar a cabeça agora. The evil spirit has left the child. O espírito mal já deixou a criança. And she's well. Ela está bem. I thought, how do you know? E eu pensei, como que ele sabe? We ain't even made noise yet. A gente nem começou a fazer barulho ainda. How? That girl was healed. Aquela garota foi curada. I saw Jesus in that man. Eu vi Jesus naquele homem. Le corps de Frère Branham repose derrière cette tombe, ici au cimetière de Jeffersonville. Les croyants dans le monde entier viennent par dizaines chaque année pour visiter cette tombe où des grands signes surnaturels continuent à se faire voir jusqu'aujourd'hui.